Ce message vous est proposé par Rouha TV Channel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens viennent me voir en me demandant une prière. Et moi de leur rétorquer, et vous, est-ce que vous priez ? C'est pas vous qui priez pour nous ? Ben, on peut prier pour vous. Mais est-ce que vous, vous priez ? Parce qu'elle est là, la clé. La prière, on apprend à prier. C'est pas facile, c'est pas inné, c'est difficile. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu des chapelets difficiles à dire ? Levez la main. Genre, on ne sent rien, on n'en peut plus, on a 10 000 pensées. Très bien. Vous savez que c'est les plus valeureux, hein, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort en parle, que parfois ça nous coûte tellement, mais quand ça nous coûte, eh bien sachez que c'est l'offrande de vos peines, de votre temps, de vos souffrances, ça a un poids énorme de gloire. Énorme. Et l'Écriture parle de ça. Hein. Il nous dit que les souffrances du temps présent n'ont rien à comparer avec la gloire qui doit se manifester en nous. Et même, il y a un autre passage qui nous dit que ta détresse actuelle ne peut pas être comparée avec le poids de gloire éternelle que ça t'obtient. C'est-à-dire quand tu es dans la détresse, que tu es dans une difficulté et que tu t'unis au Christ et que tu l'offres par amour, ça entraîne une poids de gloire éternelle pour toi en cette vie et en l'autre. Vos souffrances offertes ont du prix, puisque la souffrance offerte de Jésus a sauvé le monde. Ne dis pas « je souffre en vain ». Ne dis pas « je me suis épuisé en rien ». Ne dis pas « mes prières n'ont pas été entendues ». Ne dis pas « j'ai fait, j'ai donné et regarde aujourd'hui où j'en suis car je te le déclare ». Si tu pouvais voir tous les bénéfices de tes prières, je peux te certifier que tu ne serais peut-être même pas en train de m'écouter, mais que tu serais devant la grotte à genoux en train d'enchaîner les « je vous salue Marie ». La Vierge Marie nous a donné, et je le dis sans crainte, en prière récitée, le rosaire est la plus puissante arme qui existe. Je ne parle pas de la messe, je ne parle pas des sacrements. En prière récitée, c'est la plus puissante arme qui existe contre le diable et pour sanctifier une âme. Je ne le dis pas de moi-même. Depuis des centaines d'années, les saints et les papes le disent. Et la Vierge Marie, dans ses apparitions, ne la voyez-vous pas avec un chapelet ? À Lourdes, n'est-elle pas venue égrener son chapelet avec Bernadette ? D'ailleurs, ça ne vous paraît pas bizarre ? Quand elle arrive au Sainte Marie, Mère de Dieu, comment elle prie, Marie ? Oui, d'ailleurs, elle n'a pas de bol, la Vierge Marie. Elle n'a pas de Vierge Marie pour elle. Nous, on a une Vierge Marie. Elle n'en a pas. Bon, vous me direz, elle a plein d'autres choses, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un cadeau énorme d'avoir une si belle maman qui vient jusqu'à nous. Elle nous demande le chapelet. Dans le chapelet, vous avez la prière que Jésus nous a laissée, le Notre Père, la plus haute et la plus puissante de toutes les prières récitées qui existent, la seule enseignée par Jésus. Notre Père et le Je vous salue Marie, qui est une prière biblique. Vous l'avez dans la Bible. Ce sont, voilà, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Voilà, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. C'est l'ange Gabriel. La prière du rosaire est très biblique et en plus on médite la vie du Christ. Donc vous comprenez, frères et sœurs, que cette prière, quand Marie dit « Mais priez mes enfants, comme à Pontmain », ceux qui mettent en pratique cela déclenchent pour leur vie personnelle une avalanche de grâce. Et moi je vous dis, commencez à prier le chapelet dans vos familles et en famille, en couple. Faites-le, ne soyez pas seulement des auditeurs de ce que je vous dis, mais mettez-le en pratique. Ne dis pas « je n'ai pas le temps ». Ne dis pas « je n'ai pas le temps ». Car tu passes plus de temps à régler tes problèmes de la journée qu'à prier ton chapelet. Et quand tu prieras ton chapelet, tu auras beaucoup moins de problèmes. Qui a déjà expérimenté une journée avec et sans rosaire ? Ok, qui a déjà vu l'impact spirituel ? Levez-vous la main. Ok. Oh. Waouh. Non mais moi je vous dis juste une chose, ok ? Je vous en témoigne. Hein. J'ai déjà expérimenté le fait de ne pas prier mon rosaire. Je passe du ciel à l'enfer. Vous dites, bah, comment ils tiennent ces petits loups-là, petits agneaux ? Avec tous les combats qu'on voit dans l'église, ils n'ont pas des combats ? Bien sûr qu'on a des combats.
Vous pensez que le toto du dessous, là, il nous lâche? Et le toto du dessous, il reste en dessous. Sous les pieds de l'Immaculée et de ses enfants. Et pour cela, il faut que nous soyons avec l'Immaculée par la prière. Seul, tu es foutu, fini, tu ne peux rien. Avec elle, elle te met au-delà, au-dessus. Elle te fait régner avec elle sur ta vie. Quand je ne prie pas le rosaire, c'est l'enfer pour moi. Et j'aimerais dire à tous ceux qui peut-être ne connaissent pas le cadeau du chapelet, essayez-le. Peut-être que vous allez trouver ça difficile au début. Commence par une dizaine, puis un peu plus, une deuxième, puis un chapelet en entier. Tu peux l'étaler sur ta journée. Et puis vous qui dites déjà le chapelet, rajoutez un peu. Petit à petit, un deuxième chapelet. Et ensuite, vous allez voir que le rosaire va devenir votre vie et vous allez commencer à rentrer dans cette onction du rosaire, dans la grâce mariale. Le rosaire a arrêté, frères et sœurs, les effets d'une bombe atomique. Vous connaissez cette histoire ? Nagasaki, Hiroshima, deux bombes atomiques, deux exemples, deux couvents qui s'en sortent indemnes et sans radiation, alors qu'il y en a un qui était dans le ground zero, c'est le périmètre d'un kilomètre là où la bombe explose, là où il n'y a plus rien. Ils étaient là. Et on va leur dire, pourquoi vous, vous avez été sauvés et ces milliers de gens sont morts ? Ils vont dire, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que comme elle l'a demandé à Fatima, notre couvent prie le rosaire tous les jours. Moi, ça m'intéresse, mes amis. Lorsque Marie, dans ses apparitions, nous déclare que le rosaire peut arrêter des guerres, des bombes atomiques, et on en a la preuve, hein, c'est dans les journaux, ce que je vous dis est certifié. Et je parle à tous ceux qui sont scientifiques, je suis scientifique. Je ne me permettrai pas de vous dire des choses qui soient des on-dit. C'est certifié dans les journaux, tout le monde le sait. C'est facile à trouver. Si le rosaire peut arrêter une bombe atomique et les guerres, le rosaire ne pourrait-il pas arrêter ta guerre ? Ta guerre familiale ? La guerre de tes pensées ? La guerre de tes passions, de tes pulsions ? Tout ce qui ne va pas chez toi ? Marie ne pourrait pas faire quelque chose pour toi ? Eh bien si, et c'est pourquoi qu'elle nous supplie presque de prier le rosaire. Alors je sais qu'on a tous des quotidiens différents. Il y a des parents avec leurs enfants et c'est difficile. Tu te dis, comment je vais faire avec les couches et tout ça? Confiance, no stress. Dieu va t'aider, Dieu va te montrer petit à petit. Moi, je me souviens quand je priais déjà mon chapelet après ma conversion, il y a quelqu'un qui est venu me dire, ouais, mais la Vierge, elle demande le rosaire. Je dis, oui, bah, elle le demande à tous, mais pas à moi. Moi, j'ai une vie dynamique, moi. Je suis un étudiant en médecine, moi. J'ai pas le temps de tout ça. Et puis... Seigneur m'a dit, si, mon petit chéri d'Alberto, toi aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais du temps, que je pouvais trouver du temps, et qu'une dizaine, c'est quelques minutes, et qu'on peut en dire. Qui dit des bêtises ici ? Waouh, quel peuple saint ! Incroyable ! Vous êtes vraiment géniaux, vous n'êtes pas pourtant encore allés tous vous confesser, je ne comprends pas. Des bêtises, on en dit, hein, et à l'appel, hein. Des critiques sur l'Église, on aime en dire aussi, sur les prêtres. Ça devient presque un passe-temps, non seulement des journaux, mais des chrétiens à la honte de l'Église. Parce que si nous-mêmes, nous nous tirons les uns sur les autres, sur qui le Christ va-t-il compter pour panser la plaie de son Église et de son corps ? Faisons taire nos langues, pleurons avec le Christ et bénissons notre Église. Bénissons nos prêtres, comme lui-même nous l'a dit, ne maudissez pas, mais bénissez, afin d'attirer sur vous la bénédiction. Oui, il y a des scandales, et malheur par qui celui ils arrivent, c'est le Christ qui l'a dit. Et bien entendu, nous pleurons, et c'est un scandale, et le péché doit être éradiqué de notre Église, et sans parcimonie, mais le pécheur doit être aimé. Gare à nous si nous jugeons le pécheur, car je te le déclare, de la mesure où tu vas le mesurer, cette mesure sera utilisée pour toi et pour tes œuvres secrètes que Dieu connaît. Alors gardons-nous de juger, mes amis, et à genoux, prions pour le relèvement de notre Église blessée, pour la sanctification des prêtres, nos bergers. Et soyons de dignes enfants du Père jusqu'à aimer nos ennemis.
ça intéresse quelqu'un d'entrer dans une vraie vie chrétienne où nous mettons en pratique ce que le Christ nous a ordonné, où nous nous faisons souffrance. Oui, c'est difficile de fermer cette bouche qui est habituée à médire. C'est difficile de rompre avec certains péchés. Et je le sais, frères et sœurs, parce que je suis pétri de la même glaise que vous. Mais je vous le dis, ces souffrances-là, Dieu va vous aider à les affronter et il vous donnera la victoire et il va faire de vous et de moi une création nouvelle. Amen. Alors moi, je vous donne, et c'est mon deuxième message, par rapport au rosaire. Vous avez compris, premièrement, c'était quoi ? Vous vous souvenez ? Pour les familles, croyez et priez. Et ne vous découragez pas de la part du Seigneur, je vous le dis, pour vos enfants et vos petits-enfants. Deuxièmement, le rosaire. Faisons ce que Marie dit. Console Marie. Sois de ceux qui essuient ses larmes et qui ne lui en rajoutent pas d'autres. Et tu peux le faire par le rosaire. Moi, je vous donne ma recette, ok ? Je dis pas que c'est facile, je dis pas que voilà. Mais ce que je vous encourage, c'est de ne pas commencer votre journée sans prier. Je veux vous donner du pratique au pratique. Je voudrais vous aider à mettre en pratique tout ça. Levez-vous et ne rentrez pas tout de suite dans la vie active. Préparez votre journée sur le roc de la prière. Je vous encourage à lire un passage de l'Évangile, à invoquer l'Esprit-Saint et à prier une dizaine, voire un chapelet si vous le pouvez. Vous pouvez enchaîner cela ensuite dans la voiture. Vous finissez votre chapelet en roulant. Parfois, vous avez une heure de route et puis vous tombez dans les embouteillages et vous commencez à pester sur la petite grand-mère qui est devant, qui n'avance pas. Et puis, tu te rends compte finalement que la pauvre grand-mère, elle y était pour rien. Parce qu'en fait, il y a 500 voitures qui sont devant la grand-mère. Quand on est mal levé, on ne voit pas clair. Hein. Et puis là, tu te dis, bah, j'ai du temps. Quand on ne prie pas, on peste. Quand on aime prier, on est heureux, puisque là, on a le temps. Les embouteillages, frères et sœurs, sont un lieu de sanctification pour le peuple de Dieu. Heureux ceux qui sauront le voir et le mettre en pratique. Amen. Donc, priez. Vous travaillez. Vous essayez de tout faire avec Jésus. Et puis arrive le moment de la pause. Vous vous rendez compte que là, vous avez 10 minutes. Bien, vous pouvez offrir une dizaine à Marie, faire une prière d'action de grâce. Et ainsi de suite, votre journée se déroule avec le Seigneur. Vous faites l'état des lieux, milieu d'après-midi. Alors Seigneur, merci, rends-moi disponible aux autres. Je me sens fatigué, Jésus. Ne parle pas à tes inquiétudes. Elles ne te répondront que inquiétudes. Parle à Dieu et il te fortifiera. Ce que je vous dis, frères et sœurs, je le dis d'expérience personnelle. Et parce que 99,9% d'entre vous, vous le vivez, vous parlez et vous vous priez vous-même dans une prière de désespoir des heures et des heures par jour et vous ne vous en rendez même plus compte. Ce qui fait que le soir, déprimé, vous ne comprenez même pas pourquoi vous l'êtes. Vous avez parlé avec vous-même de toutes vos inquiétudes et vous n'avez pas trouvé de solution. Et ça fait 30 ans que ça dure. Peut-être il serait temps de changer. Mais je le dis sous le coup de l'ironie, je ne le dis pas en jugeant, mais je le dis comme un médecin qui aimerait panser la plaie du peuple. Il est temps, frères et sœurs, qu'il y ait une transformation de notre manière de vivre si vous voulez être heureux. Il est temps de laisser Dieu habiter nos pensées pour que ces pensées viennent ici. Il est temps que nous prions et bien davantage. Et il n'est plus temps de se donner des raisons parce que tu es en train de crever. Celui qui se noie n'est pas en train de faire des études. Il est en train de crier à l'aide. Il est temps d'arrêter de te regarder, arrêter de regarder les autres et de critiquer et de voir que tu as besoin du salut et tu as besoin de l'amour de Dieu. Il veut transformer ton quotidien parce qu'il t'aime et il va le faire. Et je suis venu juste pour vous le dire que ce qu'il va faire, c'est merveilleux. Vous comprenez mon langage ? Je vous le dis avec mes tripes, parce que je suis libanais, et on s'est parlé avec nos tripes. J'aurais été d'un autre pays, je l'aurais dit différemment. Vous savez, hein, les serviteurs de Dieu, ils sont tous différents. Il faut me prendre tel que je suis. Je ne suis pas venu vous offusquer.
mais vous dire quand même ce qu'il faut dire de sa part, parce que si je vous dis ce qu'il me demande de pas dire, j'aurai des comptes à rendre. Mais là, je suis venu vous dire ce que le Père m'a ordonné de vous dire. Il veut habiter votre journée. Il veut que nous apprenions à prier bien davantage, au point de prier sans cesse, comme le disait notre frère. La prière sans cesse, c'est d'être en communion tout le temps avec Dieu. Toujours avec Dieu. Toujours avec lui. C'est trop beau. Mais ça prend un peu de temps. C'est une manière de vivre. Et j'aimerais que le peuple de Dieu, ensemble, nous puissions avancer là-dedans. Amen. Alors arrive ta journée, tu as enchaîné des dizaines, tu as repris ta voiture, tu as été disponible, tu continues telle dizaine par-ci, telle dizaine par-là. Et puis le soir arrive, tu t'occupes de ta famille, etc. Et puis il y a le temps aussi de la prière du soir. Et là, tu peux redire un autre chapelet. Tu peux rendre grâce à Dieu. Et tu vas te rendre compte que finalement, c'est fluide, que la prière est possible. Voilà ce que Dieu veut faire. Alors moi, je vous le dis, heureux ceux qui vont faire laisser Dieu les aider à prier davantage. Amen. Et particulièrement le rosaire. Nous, on l'a mis en ligne à 19h30 chaque soir. Je sais qu'il y en a qui suivent NDML le soir. Beaucoup. Est-ce que ça aide ou pas? Donc, est-ce qu'on est d'accord que ce que je dis, c'est une réalité? D'accord. Donc, c'est une sainte addiction, exactement. Merci. Mais de fait, il n'a pas tort. Pourquoi? Parce que Marie nous comble de toutes ses douceurs et parfois on ne ressent pas toujours, mais dans nos vies, il se passe des choses. Amen. Alors, c'est mon deuxième point. Et le troisième point, je terminerai et ensuite, nous allons prier pour la guérison des malades. Parce que Jésus le désire, c'est ce qu'il m'a demandé aujourd'hui de faire et j'aimerais que nous le vivions et nous allons voir se manifester la gloire de Dieu. Nous allons voir l'action du Saint-Esprit. Jésus va se glorifier, il va faire du bien. Il va nous combler de sa présence. Je frétille intérieurement. Pourquoi? Parce qu'à chaque rassemblement, je me dis, et qu'est-ce que Jésus va encore faire? On était en Alsace, on avait toutes sortes de grâces de guérison. C'est touchant, c'est pas juste comme d'un observateur scientifique de médecin que je dis ça. C'est tellement touchant de voir des personnes consolées même physiquement. Et vous savez, ce qui était juste énorme, c'est qu'il y avait des gens qui voulaient venir au rassemblement, qui n'ont pas pu venir, mais qui se sont mis en communion pendant le temps de prière et qui ont été instantanément guéris là où ils étaient. Donc vous pouvez porter vos prières, ces personnes en prière. Dieu entend et il agit aussi. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Roua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse.